Bonsoir tout de suite. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité des baskets. Bourges s'impose face à Bologne malgré un coup de mou au milieu de rencontre. Les Buruyères sont parvenus à s'imposer en Euroleague sur le terrain des Virtus Bologne 64 à 61 grâce à leur détermination et à leur cohésion supérieure. Quel caractère ces Buruyères dans un match serré tendu haletant. Le Tango Bourges Basket s'est imposé à Bologne 64 à 61. Après avoir mis du rythme d'entrée, les Buruyères ont largement pris la tête des premiers cartons. 20 à 11, défendant fort, utilisant le contre avec Evan Anderson, encore Pauline Assier, mais les Italiens vont revenir grâce à leur arme fatale, Chichilia Zandlazini, 22 points, en se montrant plus agressif au rebond aussi. Après la pause, le Virtus Bologne supérieur dans la circulation de balles ont pris le large 49 à 39, mais les Tangos vont faire preuve de caractère à l'image de la combative Anité Steinberger ou de Pauline Astier et vont revenir pas dans le match alors qu'il reste moins de 3 minutes. Élodie Goudin leur permet de repasser en tête plus soudée, plus résiliente. Les Tangos finiront par arracher une précieuse victoire à l'extérieur. Leur défaite pour le Basketland dans le groupe pays, les Espagnols de Perforias Abinida n'ont fini qu'une bouchée de basket land en s'imposant 81 à 57.